Bonsoir à toutes et à tous, je vais aujourd'hui faire une vidéo sur Maraudeur pour vous montrer si c'est possible de se faire un peu d'argent sur une game en partant tout nu, ça veut dire sans rien, absolument nada. Donc oui, la réponse est on peut, par contre ça va être un gameplay qui va être un peu différent des gameplays normaux quand vous jouez en équipe ou avec des armes, etc. En tout cas, quand vous spawnez avec votre vaisseau, à chaque game, vous avez un petit stuff qui est disponible sur cette petite table au niveau du cockpit. Derrière le cockpit, voilà. Donc un petit harnais tactique, 30 balles de 12 mm et un petit Luger P, machin, Luger P08. Et donc là, on va tout de suite se rendre sur le vaisseau de la mission. Hein. Après, vous pouvez toujours faire un peu les fifous et aller sur les vaisseaux, accoster, etc. Mais bon, c'est plus risqué, puis faut avoir un peu de luck, parce que si vous tombez sur des mecs qui ont des grosses armures, terminé pour vous. Donc, tac, 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 tac. Merde, moi je me fais défoncer. Super. On va essayer d'esquiver un petit peu. Parce qu'en fait, c'est très imprévisible en fait les parties sur Marauders. Donc, rappel rapide, la vidéo sera en un seul rush, donc pas de cut. Ça va être des parties qui se font très rapidement. Merde, je recharge, fais chier. Vite, vite! Là, c'est vraiment pour essayer de voir un peu de pêcher, voir si on peut trouver des objets rares en très très rapidement, quoi. Donc, pour tout à l'heure, en 3 minutes, j'avais déjà récupéré quasiment 30 000 dollars. Parce que j'ai eu de la chance, j'ai trouvé des documents. Voilà. Après, vous pouvez faire vos quêtes, etc. Mais est-ce que c'est possible de jouer avec ce petit pistolet? En gros, ça aurait pu. Le Luger, oui, c'est un peu aussi le nom de la vidéo, mais pour le coup, on part vraiment à poil. À poil de chez à poil. Donc, ça, c'est fourni par le vaisseau aléatoirement. Donc, voilà. Donc, là, on fait attention au spawn killer. Trop nombreux. Et il faut y aller un peu. Alors, 2B, Warp, 2B. Voilà. Ok, je me fais. Putain, ça commence très mal. Donc là, c'est la prison. Je me suis fait asmat par un maton. Tac, qu'est-ce que je fais moi? Tac, on va jeter ça. Donc là, je suis déjà en PLS. On va jeter ça. On va prendre son pistolet à lui qui est bien meilleur. Donc ça, c'est ce qui arrive. Donc ça se passe pas toujours parfaitement, mais bon, c'est que le début. Voilà. Après, si vous entendez des bruits et tout ça, bah, vous essayez d'esquiver. Hein. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va essayer de chercher, c'est un peu de soin. Un peu de bouffe. Ça, un petit Mac. Ouais, ça, c'est super. Là, il me reste 3% de vie. Alors, du coup, 3B. Non, mais je m'en souviens plus. Attendez, je vais y retourner voir parce que moi, j'ai un problème de mémoire. Airlock. Airlock 2B. 2B. Ok. Important de remémorer où est-ce que vous avez posé votre vaisseau, parce que sinon c'est compliqué. Ah, je l'ai eu. Allez, on fouille. Après, la principale. Ah putain, caisse de ration, super. Ça, par contre, le problème, c'est que la caisse de ration, c'est que on peut pas l'ouvrir en game. Ça m'aurait bien servi. Le but aussi, c'est de trouver un sac très rapidement. Si on peut. Voilà, bandage, super. Ou une cuisine quand vous n'avez pas de vie. Ça peut aider aussi. La cantine, voilà. Vie, je dirais pas non. Et un sac, ça serait super. Un petit sac. Il y a des trucs intéressants, mais.
Un peu de vie, voilà. Je monte à 34, je vais monter à 39, du coup, ouais, voilà. Les gourdes d'eau, les conserves, c'est 5 de points de vie en général. C'est comme ça que ça se passe. Que j'ai constaté en tout cas. Voilà, on va monter un peu en vie. 45%, 48. Super. 49. Voilà, ça monte un petit peu. 52. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas ouf, mais pas trop mal. On commence à se refaire un peu de vie. Maintenant, priorité. Ouais, un peu plus de bouffe. Pas de refus parce que là c'est vrai que je me prends une balle, c'est compliqué. Y a rien dans la cuisine, bon, compliqué. Il me faut un sac maintenant, il me faut un sac. Non, c'est compliqué, voilà. Donc ça c'est pas un sac, j'ai cru. Parce que sans sac, bien sûr, c'est un peu compliqué pour stocker des choses rares. Donc là je cours un peu YOLO, hein. De toute façon. Et ça devait être un joueur. Reparti à 21 points de vie. Une M16. Ok, génial. Non, c'est pas ça, c'est ça. C'était un joueur qui a un sac. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, il n'y a aucune utilité à rester plus. Donc là, je suis en train de prendre des risques hein, de dingue. Parce que là, il a des trucs qui sont un peu. Ils sont assez sympas. Là, le document qui vend 13 000, il me semble. Après, c'est des matériaux qui sont toujours intéressants à prendre. J'ai une M16, j'ai son vaisseau. Alors, on va savoir son vaisseau si c'est un vaisseau qui était bien ou pas. Voilà, donc là, je me heal. Après, on peut toujours faire un tour maintenant qu'on a un sac. Comme Tarkov, hein, il y a le sens des priorités. Vous voyez, tac. Là, je le jette. J'ai 7, beaucoup plus intéressant. On peut toujours trouver son vaisseau à lui maintenant. Comment il s'appelle? Tom Fury? Tom Fury? Et donc ça tire vers là-bas. Je vais pas faire le malin. On va plutôt aller faire l'extraction. Que si on arrive à sortir avec 20 000 dollars, déjà, bah à peu près 20 000, hein, c'est du pif que je sors. Voilà. Ça en vrai, on peut le jeter. On va prendre ça. C'est de la poudre en fait, moi qui m'intéresse. De gros câbles, voilà. Je savais qu'il y en avait un que j'en avais croisé sur mon chemin. Par machine arrière. Se mettre dans l'accès de son vaisseau, mais on va essayer. Son vaisseau. Un buggy, je pense. Allez, merde. Ouais, boîte à bijoux, ça c'est bien ça. Allez hop, on jette certaines choses. Tac, ça c'est bien ça. J'ai pas vu tout à l'heure. Pièce d'or. Voilà. Voilà. Allez, il faut que je retrouve mon. Je sais qu'il y a des trucs. Ah, voilà. Il y a des trucs intéressants ici. Un peu de gourmandise. Un peu d'eau. Voilà. C'est pas ouf. Il n'y a rien. J'aime bien ce pistolet-là. J'aime beaucoup celui-là. Non, c'est le même. Non, c'est le même. Il y a le Magnum. Non, j'étais pas là moi. Ah oui, je suis déjà perdu. Cantine. Je suis déjà perdu, vous voyez. Il me semble pas avoir lavé tous ces gens. Si. Faut que je tourne en rond. En rond. Hein. Gym le cœur. Oui.
Ah, j'avais pas oublié que j'étais en... J'ai oublié que j'étais en... En auto. Non, j'étais pas du tout au niveau de la salle de gym en fait. Hein. Aucune idée de... On voit rien. Ok. Ils arrivent en masse. Ils arrivent en masse. Ils arrivent en masse. Attends, faut que j'ai mon arme. Ça va casser. Les armes s'usent très vite dans ce jeu. J'aimerais bien retourner sur mes pas et retrouver un peu là où j'ai mon vaisseau. J'aimerais bien faire le point sur tout ça. Vous montrer un peu. En fait, de toute façon, vous pouvez déjà le voir hein, que c'est pas impossible de se faire de l'argent en partant de rien. Après, ça dépend. Ça dépend du spawn des joueurs. Si vous tombez sur des joueurs qui ont des gros full stuff, etc. Visitation, non, c'est pas là non plus, il me semble. C'est pas là non plus, mais bon, on va en profiter pour fouiller les trucs. Il n'y a rien. Vas-y. Tomber sur des trucs super intéressants des fois. Un plus gros sac, ça serait bien aussi, si c'est envisageable. Oh, je sais plus par où j'étais passé. Par contre, sur la salle de gym, j'ai l'impression que. Aspirine, tiens, on va prendre de l'aspirine. Ça fait du bien. On va se guérir. Une balle perdue, vous avez vu que ça va très vite, hein, les vies. Même si j'ai une grosse armure, ça change rien. Donc là, je suis remonté à 84. Ça fait plusieurs fois que je remonte ma vie. J'ai l'impression que je tourne en rond. Et je suis. Ouais, oui, je tourne en rond. Et bordel. Ouais, ça, ouais. Ça, oui. J'ai envie de dire oui. Et bah, tu sais quoi, je vais jeter ça. Ça, j'en ai besoin. Vraiment beaucoup. Pistolet Mosin, ça sert pas mal aussi. Pourquoi je peux pas le prendre? Ok, parce qu'il doit prendre 3 slots. Oui, ça, oui. Ouais, c'est pas mal, ça. On est sur les bons endroits, là. Ouais, voilà, pièce d'or. Nickel. Ouais, y a pas d'autre truc, c'est tout, là. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est gros ça. Plaque de métal, gros câble, ok, 3 sur 3, nickel. Si je sais pas à quoi encore vraiment ça me sert. Lithium, j'ai l'impression qu'il y a des kits. On était venu de là, il me semble, voilà. Ouais, c'était là. Et. J'ai aucun sens de l'orientation. Alors imagine sur Tarkov, hein. C'est une catastrophe. Catastrophe. Ouais, on va dire là. Il y a un cadavre là, donc je pense que j'en ai allumé l'un hein, ici. Workshop, je crois que c'était ici. Hein. Ouais, c'est ça, voilà, on a retrouvé le chemin. Putain. Il me semble que c'est pas loin. Il dit pas de conneries, mon. Allez, mec. C'est un truc de dingue, quoi. Aïe! Ça, c'est un joueur, ça. C'est un joueur, on va pas faire le malin, ça sert à rien. Non! De me piquer. Vous savez, ça devait être un joueur.
Il campait. Donc voilà, grosso merdo, je vais pas faire une vidéo qui dure plus longtemps que ça, c'est déjà pas mal. Mais en fait, moi qui ai déjà l'expérience, je peux déjà vous dire après le butin que j'ai. Donc ça, 13 000, avec les bijoux, bah, ça les bijoux, faut l'ouvrir, mais on va dire qu'on va à peu près dans les 5 000 dollars, de bijoux, un peu moins, allez, 5 000. Donc 18 000, 19 000, allez, on a, avec les armes, si on vraiment vend tout, on a, allez, on a 23 000. On a à peu près 22 000-23 000 dollars de stuff. Donc là, je me suis un peu perdu, donc j'ai perdu 5 minutes à peu près. Mais en gros, avec la chance, parce que si ça dépend de la map, ça dépend de plein de choses, hein, il y a plein de facteurs à prendre en compte, en considération. En gros, ouais, voilà, moi ça fait, j'ai déjà fait 3 fois ça, de partir tenu. À chaque fois, je repars, je reviens avec entre 10 000 et... Ah non. Il y a un moment où j'ai eu de la chance, je suis revenu avec 110 000. Parce que j'ai eu beaucoup de documents, là, des documents de trucs, là, les documents de couleur vert, j'en ai eu 3, 4. J'avais volé un vaisseau. Donc en fait, tout ça, ça m'a fait avec plein d'autres trucs. J'ai trouvé des matières aussi, des matières d'astéroïdes, tout ça. Enfin, ça m'a, j'avais mis pour 109 000 au total. Donc voilà. Donc ça dépend vraiment, mais voilà. Vous sachez que c'est possible. Donc je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pouce bleu, commentaire, abonnement et surtout rejoignez le Discord. Le nouveau Discord que j'ai mis en place, communautaire. Venez partager vos vidéos, vos lives. Venez participer au jeu, il y a des lots à gagner. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai tué un joueur. Le dernier que j'ai tué, c'était un joueur. Le premier, c'est un peu mal fait leur truc. J'ai tué un joueur dans la partie. J'ai tué 11 bots et un joueur. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous, banzai!